bah là, on sait pas du tout où on va partir. C'est un peu le petit moment de stress. Je crois que je me rends pas encore trop compte de ce que ça va être. 2 ans sans revenir. Je pense que je suis capable, mais c'est quand même Fidesco qui me fait confiance beaucoup. Alors, qu'est-ce que... Alors, on va au Brésil. Au Brésil. On part tous les trois pendant un an faire un tour du monde en fait, pour Fidesco. Et du coup, on va ramener des images. Là, pendant un an, on va être derrière la caméra. Nous partons à Madagascar comme ingénieur agroalimentaire et gestionnaire. Je suis brésilienne. Je pars à Guinée comme médecin pédiatre. Je pars à Madras dans le sud de l'Inde pour enseigner le français. Je pars à Manado en Indonésie pour participer à la commercialisation de confiture locale. Quinoa. Bah. Nous partons avec nos 5 enfants en Zambie pour diriger un camp de réfugiés. On a proposé à Fidesco de faire des reportages. Bah, l'idée, c'était de faire un tour du monde utile. Ça va être une aventure. On va découvrir plein de pays, plein de cultures différentes. Une énorme expérience humaine. Un dépaysement total. Et puis c'est sympa aussi de voir concrètement plein de missions différentes de cette d'une même ONG dans sa diversité d'actions et de lieux quoi.